Si ou agit mal ak moun ki fò bien, malè ap toujou rive la kayo. Oui, si ou agit mal ak moun ki fò bien, malè ap toujou rive la kayo. Oui, malè ap toujou rive la kayo si ou agit mal ak moun ki fò bien. Proverbe chapitre 17 verset 13, bien-aimés frères et sœurs, amis auditeurs de partout, que la grâce et la paix de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, vous soient multipliées. Jeudi, c'est vendredi 19 janvier 2023. Le Seigneur fait nous grâce, nous ensemble, et au connaît, le bien nous lit en créole, haïtien pour vous. Donc ça veut dire que jeudi, c'est vendredi. Et tous les vendredis, c'est en créole haïtien que nous partageons lecture de la parole de Dieu avec vous. Du lundi au vendredi, nous ensemble, depuis le fait 4h30 du matin jusqu'à 6h du matin, nous là pour la prière du matin. Quel que soit côté hier matin, que grâce Seigneur a couvert vous, que bénédiction l'accompagne vous pour cette nouvelle journée, que de très bonnes nouvelles. Capable de river dans la maison la caillou. Oui, que Seigneur, bon Dieu, qui gagne tout pouvoir ou dans le ciel, la sous terre, li kembe mer, li soutenir, li aide au traverser mauvais paillou. Que bon Dieu qui baille force là, bon Dieu qui encourage, bon Dieu qui délivre, qui bénit, c'est pour lui accompagner au matin, c'est pour le faire voyager ça avec au matin, c'est pour le kembe mer, c'est pour le soutenir jusqu'à ce qu'on va arriver à destination. Allez avec la paix de Dieu. Oui, allez avec la paix de Dieu. Et bon Dieu, fort grâce pour retourner en bien, en bas protection. Gloire à Dieu. Nos pâmes et frères, serviteurs, bigots, luxonnaires, qui avec au matin, chaque matin, nous gagnent rendez-vous de prière à 4h30 du matin jusqu'à 6h du matin. Nous enseignons la parole de Dieu et nous prier avec eux. Nos bons conseils, nous encourager au dans marche avec le Seigneur. Le texte que nous lisons pour matin, c'est dans Proverbe chapitre 17 verset 13. Si ou agit mal ak moun qui fait ou bien, malheur toujours rive la caillou. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs de partout, matin, il est important pour nous attirer attention sur point ça qui vraiment important en façon pour que même avec vous capable connaître et prendre précaution dans façon que eh bien n'a répondre à bien que monde fait non parce que gagne bien monde fin faire malheureusement en retour c'est mal qu'on fait lui c'est bien malheureux comme malédiction cap suivre gon malédiction dans maison la caillou et c'est ça parole bon Dieu dit là il dit yon moun ki bénéficie yon bien nan men yon moun et que le pa reconnaître bien ça li fait moun nan mal en retour son moun kap toujours gen madichon la caili rap toujours gen problème la caili c'est ça fait que li important chaque moun kap vive lor non problème. Lorsque des séries de bagages drôles arrivent à la caillou, se propose tête aux questions. Est-ce que pas grand monde qui te ferait bien en retour ou même on fait lui mal? Est-ce que pas grand monde qui te ferait bien malheureusement en retour c'est un mal qu'on fait lui? C'est la meilleure façon pour que vous capable découvrir sous ce problème là. Et de là étant, lorsqu'il découvrir ou est que au fautif, on va demander bon Dieu pardon. Et aussi ou ap mande moun ou fait mal là pardon parce que moun qui fait bien li pa t'attend que c'est mal que ou ap fait li non li pa t'attend parce que li semé nan ou pour le bien c'est pour le bien li investi nan ou pour que en retour li capable joine bien nan men ben c'est pas comportement ça yo non c'est pas comportement ça yo c'est pas façon ça c'est ça qui fait que gen pile moun malheureusement des gon paquet de malheur dans maison la Kaili dans famille paquet de malheur k'ap suivre li à travers ti moun yo pour ki ça parce que gon moun ki te fait le bien mais moun ça en retour c'est mal li fait li
te mal li fè li. Proverbe chapitre 17 verset 13. La parole de Dieu fait connaître, frères et sœurs, de celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point sa maison. Le mal ne quittera point la maison de celui qui rend le mal pour le bien. C'est pas sans raison, Joseph, frères et sœurs, l'est arrivé dans l'occasion pour le remettre frère yo sa yo fait qui mal. Non, Joseph dit au contraire, vous avez médité de me faire du mal. Nous planifier ça. Nous la game dans cité non. Nous vendre comme esclave. Mais bon Dieu changer toute bagaille ça yo en bien. Genèse chapitre 50 verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Frères et sœurs, gemon malheureusement ou fait mal, puis devant ou pral besoin bien nan men lui, puis devant ou pral besoin yon bien nan men li. C'est ça qui fait que laissez ou camper dans porte devant, tout le monde qui a passé, recevez bien. Parce que ça qui arrive, c'est n'importe derrière passé. Ça qui arrive, c'est n'importe derrière où jouent une sortie d'urgence. Alors, il y a n'importe derrière, c'est le monde qui est passé n'importe devant, côté bien recevoir, c'est lui-même qui a ouvert porte derrière pour vous. Parce que l'elle t'a passé n'importe devant, où tu as un bon accueil. Mais où tu bien recevoir lui. Ou pas de garder le sous apparence, mais ou te fait ça ou te gagne pour faire pour lire. Donc c'est belle bagaille, elle nous agit comme ça. Donc nous pas jamais gagne problème. Cependant, gagne monde malheureusement comment l'agit, c'est que lui commence à faire du tort à monde depuis n'importe d'entrée. Et la vie ça personne nous pas jamais connaît non. Gon mon nous font tort, je dis là. Quelques années plus tard, c'est moun sa qui vient se retrouver comme un sauveur. C'est moun sa oui. Oh, mais mon petit qui sorti dans entrailles, ou qu'on tellement maltraité li, ou t'es tellement pas belle valeur. Jounen jodi an, c'est li k'ap pran soin. Jounen jodi an, c'est li k'ap viro, c'est li k'ap tourné. Jounen jodi an là, c'est li même qui remet en passé tout. Petit tout est méprisé. Petit, peut-être ou pas te fait tant de bien. Qu'on fait l'autre yo. Ben oui, la vie ça c'est qu'on s'allie oui. Ça fait que yon monde c'est pour faire du bien autour de ou à tout monde parce que yon bien qu'on fait pas jamais perdu. Mon ou fait bien, il est capable bon mal en retour parce que c'est l'homme lié. C'est l'homme lié, il capable rendre le mal pour le bien. Mais pigo jamais fatigué fait bien. Pigo jamais fatigué fait bien. Parce que parole bon Dieu dit nous, frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin, yon bien que nous fait pas jamais perdu. Jette ton pain à la surface des eaux et n'a pas rejoint ni avec le temps. Avec le temps, n'a pas rejoint pain ça, oui. A bon de gars dit comme ça que, ah, yon pain, c'est farine ni depuis le tombé sous de l'eau. C'est fini, pas d'espoir encore. Mais non, parole bon Dieu dit, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, on va rejoindre. Donc, puis go fatigué, fait bien parce que on va moissonner bien qu'on fait. On va moissonner au temps fixé, on va rejoindre. Mon nous fait bien, pas toujours comprendre ça. Il est pas toujours prêt pour le rendre et bien le bien pour le bien. Mais la Bible encourage ou, puis go fatigué fait bien, parce que tout bien on fait, il n'est pas perdu. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er. Gen bien, on moun bénéficie nan moun, en retour son mal que le fait, son tort que le fait. Mais pas comprendre nous perdu bien ça non faire. Non, bien on fait, l'irrité là. L'irrité là comme une bénédiction pour petit ou, l'irrité là comme une bénédiction pour la vie ou. C'est moun nan jou, c'est moun nan décevoir, c'est moun nan fait ça le faire, mais bien on l'a pas perdu. Bien on l'a rété devant bon Dieu parce que son bien côté fait. Son bien côté fait.
Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Jette ton pain, oui, sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1er. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Ou pas perdu bien au fait yo. Ma connaît si en pile, ça qu'on rencontre découragé yo. Mais la Bible exhorte au matin, il dit, pigo fatigué fait bien. Parce que bon Dieu connaît l'homme qu'on va fonctionner avec lui, l'homme autour de vous. Ben oui, l'a découragé yo, non bien qu'on fait lui. L'a fatigué yo, gen bagay ka privé, ka fort mal. Mais Galates 6, verset 9, parole bon Dieu dit, ne nous lassons pas de faire le bien, parce que nous avons moissonné au temps convenable. Chaque bien fait, il n'y a jamais perdu. Non, il n'y a jamais perdu. A combien on fait sur la terre qui a perdu? Mon nom qui a parrain le bien pour le bien. Quand on fait bien, on ne peut pas comprendre ça. Mais bien faire, il n'y a pas perdu. Galates 6, verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnons au temps convenable. Et le temps convenable, c'est un temps que bon Dieu seulement connaît. C'est un temps, personne monde sur la terre ne connaît, mais bon Dieu seulement qui connaît tant ça. Et ce temps s'appelle temps convenable. Temps convenable. Et comment c'est un temps convenable, frères et sœurs? C'est un temps peut-être en pile monde, pas espoir, que ou t'as fait tant de progrès. Un temps qui est difficile, mais c'est un temps convenable pour le Seigneur, pour que sa gloire soit manifestée. Donc le temps convenable, c'est le temps de Dieu. Et ça fait que parole bon Dieu dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc le temps convenable, frères et sœurs, c'est le temps de Dieu. Donc de beau, la Bible parle de temps convenable, c'est le temps de Dieu. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et la pleuvez-vous. Humiliez-vous devant le Seigneur, la pleuvez-vous, la faites ensemble avec vous, la faites des choses extraordinaires pour la vie. Il faut d'accord humilier-vous pour qu'elle soit capable de lever-vous. Pierre, chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Au temps convenable. Donc notez bien, le temps convenable, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Et vous saisissez pour les temps pour bon Dieu faire du bien arriver. Les temps pour bon Dieu lever en dignité. Les temps pour bon Dieu récompenser l'arrivée. Même si le monde entier, même si le pays a crasé, pas peur, pas peur. C'est un temps pour bon Dieu faire du bien. C'est un temps pour bon Dieu récompenser. C'est un temps pour bon Dieu mettre manger dans la bouche. C'est un temps pour bon Dieu toucher santé. C'est un temps pour bon Dieu consoler pour le bon la paix. Même si le pays a bouleversé, même si tout côté ou tendez ces dégâts qu'a fait, mais ou même, ou non temps convenable, en dans tempête. Donc vous êtes dans votre temps, le temps de Dieu, donc c'est un temps convenable. Ô frères et sœurs, après s'être humilié devant le Seigneur, il y a toujours le temps convenable de Dieu qui nous attend. Le temps convenable de Dieu, le temps de Dieu, oui, qui nous attend. Donc il y a une année 2024, ça, c'est le temps convenable pour nous. C'est temps pour bon Dieu faire route avec nous. Même si opportunité yo paraît difficile, ben oui, leur regarder situation le monde, leur regarder situation pays d'Haïti, ou t'as dit maintenant, qui côté bon Dieu l'a fait route ça, qui côté le Seigneur l'a levé des filles ça, parce que l'aime garder bien, moi ouais bagay yo vin pi mal. On dirait que moi pays a vin pi mal. On dirait que moi haïtien a vin pi méchant. On dirait que haïtien plus manquer bon sens. C'est ça, on a dit tête non.
c'est ça que devant Dieu non. Mais non, c'est le temps convenable de Dieu pour le faire du bien, pour le faire miracle. Mais oui, pour le montrer, c'est lui bon Dieu dans la vie serviteurs, dans la vie servante. Bon Dieu que nous servions, il va nous doit pour nous garder autour de nous. Non, ayant toujours les regards fixés sur le Maître, c'est sous lui pour nous garder. Mais si c'est sous ça nous avons gardé, eh frères et sœurs, ah non, nous ne pouvons vivre par la vue, c'est par la foi nous vivons. Si on ne vivre par la vue, nous avons gardé les choses avec les regards naturels, ah frères et sœurs, nous avons découragé. Mais les regards fixés sur le Maître, oui frères et sœurs, ou papa. De Corinthiens chapitre 5 verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Donc, apôtre Paul, c'était déclaration. Il dit quand nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, le monde qui a la foi dans bon Dieu, donc, c'est par la foi que nous marchons. Nous ne marchons pas par la vue. Non, ce n'est pas ça nous ouais, mais c'est ça nous croire. C'est ça nous espérer. Donc, le temps convenable de Dieu, il compte faire apparition dans un temps bouleversé, dans un temps chaotique, dans un temps de désolation, côté que pas d'espoir du tout, et puis le temps convenable de Dieu l'y installe en un temps chaotique là, et ça fait que yon moun, l'on en programme, bon Dieu, pas gade circonstancio, pas gade gros vent kap souffle autour de vous, mais gade le plan de Dieu kap exécuté pour la vie. Ah oui, kap exécuté pour la vie. Oh, lorsque c'est le temps de Dieu qui rive, l'on traversé vallée de Bakayo ou transformer en un lieu plein de sources d'eau et la pluie la couvre aussi de bénédictions. C'est-à-dire, dans un moment qui est plus difficile, dans un moment où tout espoir semblait fini, paraît-il pas une opportunité du tout. Quand on y est, pas une possibilité du tout pour carrière, pour réussite. Et pourtant, c'est là, bon Dieu, pour commencer à faire une route avec eux. Psaume 84, verset 6. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Donc, pas qu'à des temps, pas qu'à des circonstances, parce que bon Dieu, que nous servions, il va vouloir nous vivre par la vue, mais il veut nous vivre par la foi. Par la foi. La foi, non, ouais, frères et sœurs, des jours heureux pour notre vie, pour la vie de nos enfants. La foi nous est la guérison de notre fille. La foi nous est la guérison de notre enfant, de notre fils. La foi nous est la guérison. Oui, l'ouais, la bénédiction, la prospérité, c'est notre foi. Oui, c'est ça la foi nous ben non. C'est pas question de ça nous tendez. C'est pas question de ça nous ouais. Mais c'est question de qui ça nous croit, qui ça nous croit dans bon Dieu, qui ça nous espérer dans bon Dieu. Donc, frères et sœurs, le temps convenable, c'est le temps de Dieu. Donc, quand la parole de Dieu nous parle du temps convenable, c'est le temps de Dieu. C'est-à-dire, ce temps, eh bien, c'est lui-même que bon Dieu choisit. Donc, c'est un temps qui est convenable. Et non seulement, frères et sœurs, c'est un temps que bon Dieu choisit, mais on a saisi pour que ce temps est convenable à nous-mêmes également. Il est convenable à nous-mêmes. On a saisi pour que dans le temps, mais tout ça que vous avez liberté pour faire, mais toute opportunité que bon Dieu mettait devant vous, c'est un temps convenable aussi pour vous. Peut-être, ce n'est pas ton temps que vous attendez. Vous n'avez jamais espéré. Peut-être, c'est dans le temps, dans la période, ça, bon Dieu, tu as fait un bagage comme ça pour vous. Eh bien, c'est ça, il est le temps convenable de Dieu. Donc la parole de Dieu dit dans 1 Pierre chapitre 5, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève
autant convenable. Un seul bagage qui est difficile lorsque nous attendons le temps convenable de Dieu, frères et sœurs, c'est que nous avons besoin de la patience. Il nous faut toujours de la patience. Des fois, la patience nous manque, frères et sœurs, pour attendre le temps convenable de Dieu. Et dans le temps convenable de Dieu, même si mes chants relevaient contre eux-mêmes, il n'y a pas qu'à faire rien parce que vous êtes dans le temps convenable de Dieu. Oui. Donc, nous avons besoin de la patience pour attendre le temps convenable de Dieu. Et en attendant le temps convenable de Dieu, nous devons nous humilier. Comment nous humilier, frères et sœurs? Eh bien, dans la prière, en acceptant la volonté de Dieu, en acceptant le cheminement de Dieu, hein? En acceptant les pas que bon Dieu décidait que nous fait avant nous arriver, côté nous arriver. Hein? Mais souvent, grand pile monde qui pas d'accord ça, frères et sœurs. Grand pile monde qui pas d'accord ça. Non, il pas d'accord humilié yo en bas main puissante bon Dieu. Écoutez, gen bagay ou a régler, c'est pour autant ça. Koutan arrivé, bon Dieu permettre que tout bagay marche à merveille. Mais souvent nous tellement lâcher en nous, tellement pressé, nous pressé, l'homme toujours pressé, nous toujours pressé, nous pas gen patience. Non, nous pas gen patience. Cependant, nous devons toujours frères et sœurs avoir de la patience. Lorsque nous avons marché avec bon Dieu, parce que bon Dieu n'a pas jamais brisé. Parce que lui-même n'est pas jamais en retard, ni arrivé avant l'heure. Il est arrivé au temps convenable, à l'heure exacte. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ma courage au matin, ou même qui nos situations, côté que, ou obtenir longtemps, ou espérer longtemps, rien pour qu'on a fait, rien pour qu'on a marché, mais espérer dans bon Dieu toujours. On met espérer dans lui toujours parce que la Kaili gon calendrier qui est le temps convenable. Temps convenable pour ou même servant bon Dieu. Temps convenable pour ou même serviteur bon Dieu. Temps convenable pour ou même oui cap la prière qui gon promesse sous la vie. C'est le temps convenable pour bon Dieu faire du bien. Pour bon Dieu avec vous. Pour bon Dieu pas quitter au fini. Pour bon Dieu pas quitter au péri. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Quand il y a le monde qui pas de jambes connaît ça, le plan bon Dieu fait pour roi, son plan pour lever en dignité. Mais il faut attendre son temps. Joseph recevait une promesse à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans, bon Dieu montrait que eh bien, la lune, étoile. Donc, tout ça, il y a pour prosterner devant lui. Et Joseph n'avait que 17 ans. Donc, c'était un choisi de l'Éternel. Donc, ce n'était pas vraiment un grand serviteur de Dieu. Cependant, il a reçu la promesse pour qu'il soit capable de devenir grand. Eh bien, la parole de Dieu fait nous connaître Joseph. Cheminement que bon Dieu t'a pu le passer avec lui. Pour arriver dans position ça, il était très dur. Au côté Joseph Rivel perd du patience. C'est l'homme nié, c'est normal. C'est normal qu'on côté Rivel pas qu'à kembe encore patience dit censé fini. Je l'ai après les combien années prison frères et sœurs. Hein? Un dernier espoir te gagne, c'est une chanson, il te met dans tête lui et bien l'elle sorti. L'elle sorti dehors et chanson a permettre que et Pharaon pensait avec lui et que l'a joindre la liberté comprendre et monsieur ka font place pour lui dans palais à tout en côté Joseph rivé les sent-il découragé parce que ça fait longtemps bon Dieu fait le promesse ça et garder tout cheminement la passé dans ville garder tout parcours l'a fait et le pourquoi ouais promesse là vraiment qui côté l'a pas accompli. Seulement depuis à l'âge de 17 ans, frères et sœurs, Joseph lui était recevoir une promesse. Côté que Joseph, la parole de Dieu dit non, dans Genèse chapitre 37 verset 5, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage.
Des fois, les familles ou sorti la dernière, malheureusement, maintenant tête ou que mon yo remet on, yo pas remet on, yo jaloux de haut. Yo jaloux de haut parce que ou gon beauté qui différente de yo. Yo jaloux de haut parce que ou pas parler même gens avec yo. Ou pas voir les choses même gens avec yo. Ou pas monde qui remet fait contact monde. Ou pas brigand même gens avec yo. Pour yo c'est intéressant toi faire. Ou pas monde qui participer dans la sorcellerie. Ou pas moun kap mene envie de débauche. Donc le fait qu'au différent seulement, bon, ça fait que yo jaloux de ou, yo pa vle wè ou, et même propre frère oui, propre sœur oui des fois, propre cousin cousine oui, jaloux de ou de progrès. Et son bagay pou veye en pile. Lò wè que yon moun ni pa gen bon cœur, lè lwa fè progrès, pa kontan non? Non, gen moun malgré se ou kap bali, li pa remen ou. Tout naturellement par mais parce que c'est lui qui t'a donné place pour le bas ou question pour dire que c'est lui qui bas ou on pas vous comprenez si ou qui bali on pas d'accord avec ça non pas d'accord avec ça parce que selon lui même c'est lui même qui pouta longer mes bas ou lui prendre parce que il pas le choix lui prendre parce que OK il pas qu'à faire autrement mais il pas content avec ou il jaloux de ou il pas remet malgré ce qu'on a mis de manger dans la bouche, malgré ce qu'on a payé des lits. Donc, à chaque fois, pour le voir que le vin koto, que le gâté, sans le gâté, à chaque fois, le voir c'est koto, la buvine, la frappe porto, bon, il dérange pour ça. Et pourtant, ou même personnellement, pas jamais gagné dans le cœur contre personne. Mon. Et c'est ça qui est arrivé, frère Joseph. Yo. Si monsieur connaît Joseph toujours en vie, Joseph frézisseur li pa mouri c'est de la vie que bagarre moun fè li fort li pou mouri oui li konnen pa existe oui gapil nan nou la gen moun gen bagarre yo fè nou yo konnen mouri oui yo konnen nou mouri n pa la encore ben oui si moun za ta attendre a vol pral croiser là li pa vini non la honte le regret t'a fait que le pas vini mais c'est bon Dieu qui t'a arrangé les choses. Bon Dieu a arrangé les choses, il fait le vini même pour qu'il ça parce que t'es fort un mal. Donc si frère Joseph yo te connaît, c'est Joseph qui chef en Égypte, les grands goûts maré dans pays yo. Frère Joseph t'a préféré mourir parce que tellement fait Joseph tort, yo tellement fait Joseph passer misère et yo chantant tellement Joseph avec papa Joseph. Je dis papa Joseph comme ça. Eh bien, Joseph mourit, bête sauvage dévoré li, mais rad monsieur te kon gen sou liyan. Donc plein sang. Donc pas gen espoir pour monsieur encore. Tout espoir semblait fini pour lui. Papa dit bon, jusqu'à ce que mouri. Bab jam content qu'on en vie moi. Que bab jam content parce que le père du Joseph. Ah, frères et sœurs. Donc, une promesse, bon Dieu, sur la vie, yo. Même si vous vivez parmi méchants, yo. Même si vous jaloux de vous, même si vous pas voulez voir, tout ça y a fort qui mal, c'est pour conduire vers votre destinée bénie. Et mal au monde fait là, il pensait que il a fini avant, il pensait aller là, aller à quitter le quitte là, c'est fini, le fini à quoi? Ben oui, et mon le fait que le bon divorce là, pour c'est fini, au fini, oui. Il fait ça même pour le finir avant parce que le raï ou il gen haine cœur contre ou même il pas vle wè ou et ou pas ta imaginer ça gen moun sou mouri jodi a le prendre nouvelle nan mort la content oui tellement moun nan raï ou mande sa ou fè moun nan mande sa ou fè moun nan tellement le raï ou il raï ou mais c'est sûr si c'est pas bon Dieu qui protège nous, la haine des hommes t'a tué nous, hein? La jalousie des hommes t'a effacé nous. Hein? Et vous connaissez bagay ça, frères et sœurs, son bagay pour nous prendre très au sérieux. Ou elle est un raï ou, pas gagné un café pour le remèdre. Pas gagné un café pour le remèdre, parce que c'est quel qui raï ou. Il raï ou dans sang, son bagay qui dans sang. C'est dans sang même li raï ou li pa vle wè ou. Alors yon gen pil moun ki toujou ap goumen pou moun vle wè ou, ki toujou ap fey fort pou moun ka remen ou. Non, c'est pour apprendre vivre avec la haine des autres. C'est pour apprendre vivre avec la haine des autres.
Yon moun ki pa janm reme yon, faut accepter ça. Yon moun ki pa janm zanmi yon, faut accepter ça. Yon moun la chèche au compte jusqu'à ce que le pala encore son ennemi que lié. Même jan avec Amalek. Même jan avec Amalek. Pa janm zanmi Israël. Et l'Éternel dit m'ap combattre li jusqu'à la fin. Donc, c'est pour nous apprendre à vivre avec situation sa yo. Parce que souvent, nous bay tête non pile problème. Nous fait tout ça qui dépend de nous pour que moun ka remen nou, moun ka à l'aise avec nous. Mais non. Non. Et ou kon wè sa sorti, frères et sœurs, même nan, deux moun ki sorti dans même vente. Deux moun ki sorti dans même vente. Pas jam ka bien. Pas jam ka à l'aise. Pas jam ka à l'aise. Donc, la parole de Dieu fait nous connaître, monsieur yo, tirai Joseph en pile. Donc, le Joseph vient expliquer au songe que le fait. Et monsieur yo fâché plus encore. La parole de Dieu fait nous connaître, frères et sœurs. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ah, c'est bon Dieu qui a montré Joseph de façon imagée que c'est un futur chef que lié. Donc, c'est un homme que moun pral prosterner devant lui. Est-ce qu'on comprend? Moun pral prosterner devant lui. Et gen rêve ou fait, gen songe ou fait. C'est bon Dieu que pral avoir eu, lui montre au destiné. Songez, te gen ou l'air dans la vie, mes frères et sœurs. Ouvé la vie, te tellement frappé fort. Situation a frappé fort, situation la vie tellement frappé fort. Parce que des fois, des moments où on vit dans la vie, c'est comme si le monde virait contre. C'est comme si pas grand monde qui a compassion pour, pas grand monde qui a pitié pour, pas grand monde qui pense avec vous. C'est comme si vous seul dans un monde rempli de gens, personne monde pas pensé avec vous, personne monde pas fait cadeau. Et ça t'est poté malé, frères et sœurs. T'es gon chagrin, t'es gon tristesse. Parce que les m'ap gade de même t'es noir. De même noir. Et puis, m'dormi avec une tristesse sous que moi. M'dormi avec une prière, avec beaucoup de larmes devant bon Dieu. Parce que m'ap gade, m'ap dormi soirée sa vraie, grand goût. Qui me fait journée, hein. Journée, après rien, et moi soirée à vini, c'est à pas voyer, mais mon pain pour moi, un goût du. Et puis, frères et sœurs, pendant une nuit là, Seigneur a visité, il montre non moi, il montre moi-même, vrai moi-même, non, il montre qui chita dans un petit coin, qui a crié. J'ai crié et puis personnage là paraît devant moi. Regardez, il relève mon homme. Il dit Mbigo. Levez yeux moi. Tête pointée à terre. Levez yeux me garder mon qui relève mon. Et puis bien mauvais sous moi. Il dit comme ça. Ou gagne pas connait qui l'est souillé. Regardez me fixe dans les yeux. Il dit mon gars là pas connait qui l'est souillé. Gars là pas connait qui l'est souillé. Et puis il prend force. Et puis il est déplacé. Vin pantan dans songe là. Depuis là, m'a vive avec un espoir. Tout mauvais vent qui frappe m même songer comme on qui te dit mais est-ce que me pas connait qui laisse moi hier. Oh frères et sœurs, ça a pris du temps. Un pile cheminement, pile parcours, un pile mauvais moment.
pile humiliation, en pile déception, en pile zami humilié ou, en pile zami voyé jeté. C'est là que bon Dieu t'a pral faire route avec lui. Ça a pris du temps, oui, frères et sœurs, pour me commencer à découvrir qui laisse moyer. Qui laisse moyer. Et qui laisse moyer a pas tapé aucun sens. Il y a de cela peut-être 20 ans, frères et sœurs. Non, il n'y a pas aucun sens. Dans qui famille, dans qui race, m'zoti. Qui laisse moyer. Hein? Il n'y a pas aucun sens. Mais le Seigneur n'a moli dans grâce li. Il te connaît, ça te dit non. Et frères et sœurs, je suis capable de dire 20 ans plus tard, oui, comment c'est ouais, qui laisse moyer, qui laisse les faits de moi. Oui, qui laisse les faits de moi. C'est ça qui fait que yon moun ou kawem la, je dis, ou pas connaît moi. Ou pas connaît témoignage, ou pas connaît histoire moi. Ou pas connaît moi. Non, son promesse qu'a pas accompli. Son promesse qu'a pas accompli. C'est belle bagarre, elle est en monde où il y a une promesse, bon Dieu, dans la vie. Yo. Même si vous avez souffert, bon, souffrir avec courage. Même si vous avez pleuré, ou pleurez avec courage. Parce que vous avez une promesse sous la vie, yo. Ou pas désespéré, non. Même si toute bagarre vire contre, une promesse la plus grande que l'épreuve, que la difficulté. Yo. Et mon, pas qu'on mourit dans l'épreuve que bon Dieu a passé. Oui, ou pas mourir dans l'épreuve que bon Dieu a passé. Donc, frères et sœurs, et mon, s'il connaît, c'est avec ou t'as vu rencontrer là. S'il connaît, c'était ou même qui t'a pris le manager li. C'était ou même qui t'a pris le superviseur li. C'était ou même qui t'a pris fait interview avec elle pour garder ce cabal job là. Que bagay li te fer li patap foli. Non, li patap foli. Oh, Simon sa te konnen se nan men, li tap vin anferme kay. Simon sa te konnen se nan men, la vin fon kredi jodi a. Gen bagay li patap fol, non? Non, gen bagay li patap fer. Bien-aimé, agis bien ak tout moun parce qu'on pa konn demain. Oh, frères et sœurs, Simon sa te konnen tap gon maladie tombe sou li côté que c'est ou pou ben elle c'est ou pou virer elle pou tounel li bagay li te fè yo li pa tap fò yo li pa tap fò yo e gen moun wè jounen jodi a ou ap servi gen moun jounen jodi a wè que ou gen occasion pou fè ou du bien fè l avec courage c'est bon Dieu mette l comme ça parce que moun sa ah non li te dérespecte ou mon sa pat respecte ou comme serviteur de Dieu. Mon sa pat respecte ou comme servant de bon Dieu. Non, c'est jodi à la, li wè sa bon Dieu fait dans la vie. Ou capable servir, servir avec honneur, avec fierté. Parce que c'est bon Dieu qui a arrangé le comme ça. L'Éternel, li font famine pété dans le pays côté frère Joseph Yoyea. Pour monsieur ou ka descend en Égypte. Pour yon vin prosterne yo. Parce que promesse la te dit, frères et sœurs, que frère Joseph yo gagne pour yo prosterner dans pied Joseph. Donc, faut que bon Dieu arrange les circonstances. Donc, l'Éternel provoque une famine dans pays, une famine pour promesse la capable accomplie. Dans Genèse chapitre 37, donc le Seigneur te fait Joseph promesse que j'ai bal la gagne pour le monter main hauteur. Et l'autre jeb que monsieur Yogan lui-même c'est pour entourer et prosterner c'est ça promesse la dit Genèse chapitre 37 à partir du verset 6-7 la parole de Dieu nous dit il leur dit écoutez donc ce songe que j'ai eu nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu règneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles.
Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, mon caraïo, pour sa bon Dieu pral le faire avec vous, ou pour sa bon Dieu déjà fait avec vous, mais yo pas cal plus loin que haine yo, yo pas ca détruire. Non, yo pas ca faire rien parce que c'est bon Dieu qui fait route avec vous, c'est bon Dieu qui met vous dans position côté hier. Alors, frères et sœurs, Joseph son Jean pral accompli vraiment. Monsieur, yo gen pou yo prosterner yo vraiment. Parce que l'on pral gade pi devant dans Genèse chapitre 50, wap wè son Jean accompli. Dans verset 18 là, Genèse chapitre 50 verset 18, 13 ans plus tard, Joseph vin premier ministre. Comprenez bien, frères et sœurs, Joseph vin premier ministre. Monsieur yo retrouvé yo non famine côté que obligé à le chercher manger en Égypte et à l'acheter. Est-ce que vous comprenez? Et qui laisse bouvan yo, c'est Joseph. Et na époque ça l'argent pas gain valeur parce que frères et sœurs on garder pharaon te ka décidé pas vendre. Comprendre parce que c'est lui-même bon Dieu te visite. Et qui sait frères et sœurs toute bénédiction ou est que Joseph porté dans la maison de Pharaon en Égypte. Ça t'est arrivé si frère Joseph yo t'est fonctionné bien avec elle. Si yo pas de vendre comme esclave. Ça t'est arrivé frères et sœurs, c'est dans pays il fait toute bagaille ça yo. C'est dans pays comprendre bon Dieu ba abondance là. Mais malheureusement, bénédiction yo quitté la ligne en main yo, yo détruit bénédiction parce que selon yo même Joseph pas existé encore, Joseph mourit. Donc la vie frères et sœurs ou pas jamais connaît demain à qui laisse soit rencontrer. Faites du bien autour de vous parce que vraiment vrai dans Genèse chapitre 50 verset 18 ça que Joseph te voit dans songe là, c'est lui qui accomplit. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent nous sommes tes serviteurs. Yo pas de vle d'accord ça frères et sœurs peut-être 13 ans avant dans Genèse 37 verset 6 7 8 c'est que yo te dit Joseph quand on a bagaille ça c'est que c'est ou même qui pral dans tête non ou même qui pral diriger non 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 ça va bien fait mon cher retire bagaille ça dans pensée malgré Joseph vinn gen l'autre songe encore qui expliquait eh bien comment le Seigneur pral fait de grandes choses avec lui. Verset 9 là dit nous dans Genèse chapitre 37, il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les bagages mon ouais qui pas semblé et pourtant c'est pour lier. C'est pour lier. Mais c'est pas tout songe ou fait pour raconter mon parce que mon a braillé ou c'est pas tout bagaille bon Dieu dit ou pour dit mon mais ça bon Dieu dit ou parce que mon a braillé ou plus toujours. Donc bien-aimé dans le Seigneur, amis auditeurs de la prière du matin, Joseph passé un pile mauvais moment mais yon pas de poté l'aller parce que gon promesse qui était sous la vie. Pas qu'on sort traverser dans vie au matin. Toujours qu'on a promesse la suivre. Promesse la suivre. Vraiment vrai, frères et sœurs, Joseph vint en position de gouverneur et pile mon a prosterné devant lui parmi ses frères qui pas voulu admettre ça. Yo pas voulu d'accord ça. Donc gen mal on moun faire frères et sœurs puis devant l'a croisé avec eux. Pas besoin faire réponse, pas besoin faire explication. Pas besoin porter plainte pour lui. Mettons le à arriver mal li fort là ou même écrire pour qu'a faire du bien oui. Je dis à la shooter plateau
mais les plate pas lavé vinn devant on mette manger la dani. Yo di ala li utilise langue li contre même. Mais oui, les occasions pour l'arriver pour parler de lui, dit du bien de lui. Pas remettre les saletés fort là, pas rendre le mal pour le mal, mais rendre le bien pour le mal qu'on subit. Oui, rendre le bien pour le mal que vous faites, c'est plus bénédiction pour. Donc c'est dans ce contexte, frères et sœurs, que Joseph répétait à ses frères que si c'était un monde comme ça altéré, il t'a profité remettre mal que il t'a fait là. En Genèse chapitre 50 verset 20, il dit: vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à tout un peuple nombreux. Donc frères et sœurs, y a mal au monde faire, les occasions pour l'arriver, faire du bien. Pas garder rancune, non. Non. Je dis à la, bon Dieu permet que c'est au cap bel, c'est au cap viril, c'est au cap mettre manger dans bouche li, c'est au cap tourner li. Écoutez, grand pile bagay mal li te fort, oui. Mais prends bénédiction sous tête li. Prends grâce là sous tête li. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et gemon li want devant. Gemon li want devant. Oui, li want que c'est qu'on sale te kon traité ou que c'est sale te faire. Mais gemon tou konnen, on a tellement gen audace, l'a pèse justifier mal que l te faire. L'a justifier, c'est comme s'il voulait fort comprendre que s'il pas te fort mal ça, ou pas t'arriver koto hier. Non, c'est bon Dieu qu'il faut arriver. C'est gon mal au monde faire, c'est détruire les trous. Il tout fini avant. Ou te ka yon prostitué dans la rue, hein? Oh oh. Ou te ka yon moun ki prend drogue, oui. Gen mal yon moun fè, oh. Li vo jete, ou te ka entre nan mauvaise association, oui. Mais bon Dieu, kembe men, oh. Nou pran nom takou Joseph. Pou frèl yo pran, yo bay monsieur kou. Le yo fin bay monsieur kont kou. Yo pran monsieur la gil nan siten. Pour la vie, monsieur fini nan siten, nan. Donc, les ouais ça on ti jan est grave, yo font cob avec l'hôpital. Ben oui, yo font cob avec Joseph, yo vend Joseph comme esclave. Comme esclave yo vend Joseph pour le fini. Donc monsieur frère Joseph yo pas rien dans tête yo comme souvenir de Joseph pour dire Joseph vivant toujours, non? Bon mal au monde faire c'est pour finir le folie. Ben oui, c'est pour finir. Et pour finir, oui, mon enfant mal là. Il fait mal là, il chire le dossier, il bloque le dossier. Vous comprenez, il n'a pas fait ça pour vous parce que maintenant, tête li que, et bien, on tout fini. Et pourtant, bon Dieu, pas de voulait passer par lui-même pour le faire bien que lui fait là. L'Éternel, pas de voulait passer par lui-même pour le faire du bien. Travail, bon Dieu. Ça fait que dans la vie, ça, il y a un monde pas de tête ou problème pour un rien. Parce que bon Dieu arrange toujours les choses en notre faveur. L'Éternel arrange toujours les choses en notre faveur. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Donc, maintenant, toujours connais ça. Ou même qui bénéficiez bien dans mes mondes, puis goran mon nom. Le mal pour le bien. Ne rendez jamais le mal pour le bien que vous avez reçu. Et gemon même sous ta ouais, tout le monde vient peut-être pour comploter contre lui-même, pour planifier contre lui-même, pas faire bagarre comme ça. Cette personne vous a fait du bien. Cette personne vous a fait du bien. Mais bah haïtien vrais et sœurs, haïtien. Oh oh, côté que bal travail là, premier côté là vous écoute roche, premier côté là bien al boule, c'est là oui. Côté cousine li a travaillé là, oui. Côté ma tante li a travaillé là, côté tonton l'a travaillé là. Nan pompe gasoline côté frère la cousin l'a travaillé là. Les diable li monté li et là l'a mis du feu. Mais l'oublié cousin ça, c'est li kembe kay la, li kembe famille. L'oublié si la rue ça l'a bloqué, la rue sans, la poule caoutchouc l'a fouillé tout là dedans,
li gen cousin qui fait trafic la dan, et c'est cousin ça pour ton ti manger dans kay la. Ben oui, li blie, si l'el chauffe la rue en comme ça, mette fait des ordres, mette roche, mette barricade, li blie si ma tante li malheureuse, li blie si tonton le malheureux, si pa gen la rue le pap vive. Et des fois même papa lui le kon blie si papa son pauvre malheureux. L'or a chauffé bagayo comme ça. L'or quitte mon prend tête ou al craser briser mettez du feu. Oubliez si ces petites malheureux té ou cap toujours bi mal. A jamais quitte mon prend tête ou pour exposer la vie ou. Non. A jamais quitte mon prend tête ou pour al faire du mal aux autres parce qu'on paye ça. L'or aller machine au monde ou mettez du feu la donne. L'or entrer la caillon monde ou mettez du feu la donne. L'or entrer dans magasin au monde dans boutique au monde. Non dépôt, ou craser, ou prendre, ou payer ça. Ou payer ça. Pas que ça suive ou jusqu'à ce que. Kade, ou pas capable encore. Parce que principe la vie, là où est yon moun la vann blé. Là où est yon moun la vann produit pour aider l'autre yo. C'est pas l'argent vraiment, non. Mais le mettez le disponible. Ou te gagne l'argent, non, ou pas jouen ni pour acheter. Ti machan épice la pas de sorti dans la rue. Hein? Ou te ka fait manger avec l'argent là, non, pas ka bouye l'argent pour manger. C'est parce que machin poireau a sorti. Donc s'il sorti, il font paquet de trajet en pile fort ou pas ka bloquer route. Ou pas ka bloquer route pour le papa sa avèl. C'est méchant ça. Ou pas ka bloquer route pour le papa sa banane non parce que la mu nan mel. Cultivateur prend sang. Li a osé pied papa là. Il fait jardin. Fumi mordé le soleil bat li. Les récoltes là bon. Maintenant, li vanni. Mon kachetel la konya pral revanni pou le ka fon ti kòb. Et pour rete ou même, ou bloke route là. Comme c'est actionnoye, c'est chimeoye, c'est gros nèg ou yo genzam ou bloke route là. Et tout pa kou sa manje a sout fè là pou le vin jwen moun ki gran go. Ou kwa ka repon devan bon Dieu dernier jour? Ou bagay sa yo, ou bloke manje, ou bloke de l'eau, ou bloke ambulance. Est-ce qu'on peut répondre au dernier jour devant bon Dieu? Ou pas répondre non? Parce que cultivateur paysan, c'est là le vive. C'est là le vive. Les jardins après, elles voient vin vann Port-au-Prince, ils voient vann l'autre côté. Mango yo prêt, fruit yo prêt. Imagine qu'on y a pourri dans la machine. Parce que pas gen passage. Y a pourri dans machine parce que pas gen passage. Banane a mu, tout bagay a mu, tout vive a mu, y a pourri. Le fini n'a dit bon Dieu pas bay manger sous la terre. Le fini n'a dit gade misère nous en Haïti. Mais nous pas chanm conscient que c'est nous qui a craser pays. Les médecins nous yo aller nous rivé l'hôpital général, nous pas joindre soin. N'a dit eh bien pays ça son vieux pays. Mais combien fois ont été kidnappé médecin yo? Combien fois ont été kidnappé infirmière yo? Combien fois couru les médecins yo? Combien fois? Hein? Combien fois nous tué policier yo? Le gros problème n'a dit côté la police. Combien policiers ont été quitté en vie? Combien policiers ont été protégés? Combien policiers ont été aidés lors en danger? Toute réflexion ça yo faut que nous fayo parce que nous tous ces haïtiens nous tous nous représenter Haïti. Nous tous nous n'en seul bateau. Chaque coup de bateau nous baille sous base que si nous fait pression, si nous mettons colère nous dehors, violence nous dehors, bateau a privé au bon port. Et c'est là nous tromper non. Pression pas mener bateau à nulle part. Violence pas mener bateau à nulle part. Non. C'était ensemble. C'est tout le monde qui pour prendre en bois pour commencer pousser bateau plus loin. Tout le monde qui pour dégager yo et bien y a ramé ensemble pour faire bateau aller plus loin. Tout le monde qui pour mettre tête ensemble. Oui, pour pousser machine pour machine capable monter monde pour machine capable start. Mais si chaque monde paraît yo prend pièce la dernière. Parce que yo di, yo te paye machine nan pou machine nan mete à destination. Machine nan pa mete yo, lòk yo kampe nan route, tout moun ap demoli machine nan. Chaque moun leve, on pièce y aller. Et bien définitivement machine nan prete la.
C'est le cas pour notre cher Haïti. Pour petit li a détruit li sous base que yo voulez ranger. Non. C'est bien malheureux leur garder bagay sa yo et pourtant chemin pour nous sortir le dialogue les têtes ensemble. Mais oui, c'est comme ça n'a bon pays. C'est comme ça oui. D'ailleurs nous ouais crasé brisé mais qui troule fou et non. Nous mettait du feu, n'a bloqué route. Eh bien mais qui côté nous yé jodian, nous vinn pi mal au point que gon paquet monde qui obligé quitter pays, ou bien jeune obligé déplacer parce que y aurait pays à pas gain avenir. C'est même histoire toujours à répéter. C'est pour nous essayer un autre bagaille, nous essayer dialogue, à nous essayer une autre méthode. Mais craser briser mettre du feu à nous quitter ça parce que les du feu à fin mettre les mettre net et responsable yo si la yo cap diriger pays en cap prend décision dans nos pays à ou pas obligé à instruire un peuple à montrer un peuple la violence pour t'en décrire lui pour t'en désaldi qui pour fête. Malheureusement pile dirigeant pile politicien c'est qu'on saillouyé depuis on parle du feu on parle craser briser c'est que bagaille là n'est pas miel mais son mauvaise image pour pays noé. Non autorité peuple a gon cri qui fête yo dou yo pas vle tel bagaille mais ça yo vle yo mando démissionner. Eh bien on démissionner pour que pays a pas réduit en cendre. Mais malheureusement grand pile monde la mentalité li eh bien c'est les bagaille a gâté net le pays a réduit en cendre le ça li dit bon OK pas gen l'autre chemin encore. Non et peuple nou gen jounen jodi an qui si violent k'ap krasé brisé té autorité yo qui produit gens de peuple ça. Ce même politicien yo té konn parlé dans radio ap di moun yo krasé brisé jounen jodi an la yo pouvoir jounen jodi an la c'est yo qui gen monopole la nan men yo sotande ya la et yo pa konnen ça pou yo fè mais ça au monde si mais c'est li ou récolter mais au même le peuple ou même petite malheureux malheureuse ou même y a metté devant pour le craser briser pas prendre job ça dans même monde pas accepter ça dans même monde y a vo al bouler machine y a vo yo al craser business monde al metté du feu dans marché brûler marchandise malheureux malheureuse. Donc pas prendre job ça dans même monde al théoriser monde les pour zambao dans quartier populaire yo pour tes munitions pour tes zambao c'est pour dire non parce que c'est la mort pour tes barreau son poison pour tes barreau yo konn zam n'a tué yo konn zam n'a détruit yo pour ça pas pour l'école barreau pour ça pas pour tes centre de santé barreau dans quartier populaire pour ça pas venir faire centre sportif barreau pour ça ces armes pour tes barreau c'est parce que yo voulez détruire yo les armes n'ont pas aujourd'hui pas demain n'a détruit yo. La ponti temps mais finalité en c'est que l'a détruit yo. C'est pour nous prendre conscience. Donc nous-mêmes haïtiens, c'est pour nous réfléchir, pour nous connaître monde qui veut nous bien, puis qui nous fait mal à lui-même. Puis qui nous fait mal. Pays d'Haïti fait nous du bien. C'est là nous manger, c'est là nous boire, c'est là nous gain petit business non, c'est là nous gain l'école non, c'est là nous fait tout à fait non. Nous pas doué à faire tout mal ça. Haïti fait nous trop bien. C'est Haïti qui fait que mon noir dans le monde entier connaît le chemin de la liberté. Haïti fait nous du bien. Pile dans nous c'est là une entreprise non. En pile dans nous c'est là seulement qu'à vivre, pas de l'autre côté qu'à vivre encore non. Léon pays fait tant de bien ou même en retour c'est pour faire du bien. Léon pays fait petit tout tant de bien. En retour, c'est pour faire du bien. Léon pays te fait grand-parents yo du bien. C'est pour faire du bien en retour. Malheureusement, nous pays le monde c'est craser pays, hein? C'est piller pays. Hein? Et puis après ça, al vivre à l'étranger avec madame yo petite yo. Donc ça fait c'est là yo qui irrité la dernière. Et pourtant, dans phase nous y là, c'est phase côté que bon Dieu il gagne mal sous pays. Hein? Le gamin lui, c'est l'éternel qui a agi. Quel que soit vent qui a vanté là, quel que soit cyclone ou qui levait là, il y a un contrôle éternel.
Ah oui, bagay yo pas même gens encore non? Non. Sak fwa apwè, frères et sœurs, son temps pile moun ap mouri. Pile moun bon Dieu frappé yo par jugement li. Ah oui. Non, comme on se prend précaution avec pays ça, oui, prend pile précaution avec lui parce que la bouche de l'Éternel a parlé. La bouche de l'Éternel a parlé. La bouche de l'Éternel a parlé. Nous prenons la prière matin. Nous prenons le côté le Dieu Tout-Puissant, le Saint d'Israël, le Rocher de Jacob. Bon Dieu qui bat assistance. Bon Dieu qui bat force. Bon Dieu qui portait secours à Silayo qui entravait. Silayo, capitaine longtemps. Mais une promesse là, pour que j'en suis capable d'accomplir. Et un jour, n'a pas sa bon Dieu promet là. Ténèbres là pas qu'à arrêter pour tout temps là. Non, c'est pas toute route là qu'on sent. Et un jour, Seigneur va faire une route. Et un jour, il va délivrer nous. Et un jour, il va mettre nous dehors. Et un jour, l'autre nation va suspendre, humilier pays ça. Et un jour, l'Éternel a fait nous prendre le chemin du dialogue, le chemin de la prospérité. Il va changer mentalité nous-mêmes haïtiens pour retirer violence dans la tête, non. La haine dans la tête, non. La colère. Pour lui faire nous vivre comme frères avec un pile respect et compassion. Ça l'homme pas qu'a fait, bon Dieu qu'a fait. Ça qui est impossible pour les hommes, c'est possible pour bon Dieu. C'est possible pour bon Dieu. Nous prenons la prière matin. Gloire à Dieu. Disposé au matin, nous prenons les côtés le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Saint d'Israël, le Rocher de Jacob, bon Dieu qui est toujours bon avec nous. Matin, il était bon pour nous dire comment la parole de Dieu enseigne nous. Dans Proverbe chapitre 17, là, verset 13, Paul dit nous que Piga nous fait mal à monde qui fait nous bien. Et si ça arrivait, mal a toujours la caille nous. Malédiction, malheur a toujours frappé maison la caille nous. Y a monde qui fait du bien, même si gain occasion gon bagay qui passe pour ta faire du tort, mais réfléchis à bien te faire là. À bien te faire là. Pas jamais considérer tort au monde faire, pas jamais considérer mal au monde faire, mais considérer bien que l'y fait le sa ou vivre dans la bénédiction de Dieu. Joseph, précesseur, c'est l'homme que l'y est. Bon côté, il rivé, il pensait à tout mal que frère lui était fait. Li. Parce que, pour frère, va nous comme esclave dans un pays lointain, un pays où pas de femme, où pas de personne, et l'on rivé la donne, ou prend prison injustement, et où non prison capturé. Imaginez que Joseph, mon côté, il est arrivé dans la prison, il n'est pas capable encore. Il est arrivé côté, il se sentit force, il n'est pas capable encore. Et puis, il peut parler avec les chansons. Il dit les chansons comme ça. Quand il est arrivé dehors, pas oublié, non, font bagay pour moi. Parler avec Pharaon pour moi, pour voir comment je suis capable de sortir de la prison. Ça. Genèse chapitre 40, verset 14. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et monte, je te prie, de la bonté à mon égard. Bon route, bon Dieu, favor, on n'a pas qu'à faire rien pour. L'expérience, on fait dans la vie, même si on a une bonne famille, même si on a un bon contact, on a une grande relation, on n'a pas qu'à mettre dehors. On n'a pas qu'à délivrer seulement bon Dieu. Et la preuve en est bien grande, malgré Joseph dit et chanson, quand
quand tu seras heureux, parce que Joseph décrit monsieur songe l'en bien, il fait le connait que eh bien il pas aller à la mort. Cependant, l'autre nom nan panutier lui-même c'était un mauvais songe que il t'ai fait et que pharaon t'a tué monsieur après. Cependant, et chanson lui-même lui t'ai font rêve et rêve liant c'est que c'était un homme qui pral lever en dignité. Et puis c'est de là on pourrait comment que Joseph expliquait monsieur mais tout bon bagage qui pral arriver lui. Joseph qui gantan ouais monsieur pral heureux parce que monsieur pral travailler avec pharaon. Donc monsieur pour prendre job li, place li et n'importe l'heure, n'importe occasion. Donc il est capable parler à pharaon pour lui. Donc le texte nous dit Joseph qui parlait avec les chansons, il dit comme ça: souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Ok, frères et sœurs, c'est une belle demande que Joseph fait. Sans doute, les chansons ont dit non, mon cher, comment même d'affaiblir. Gardez au même qui chef prison, hein? Gardez au même, gardez gens prennent soin nous, gardez gens traiter nous bien. Non, mon cher, pas oublier, sorti là. Mon cher, pas cacher Dieu. M'a fait des marches pour faire la guerre. Présisseur, verset 22 a fait nous connaître. Les chansons en est sorti. Mais elle oublie Joseph. Présisseur, les bons dieux, c'est lui qui a plan la ville, non, mais c'est lui qui a mené, c'est lui qui a fait dossier. Un temps convenable, oui. Il y a un temps convenable. Il y a un temps convenable. Il y a le temps de Dieu. Il y a déjà un homme qui a dormi même côté avec Joseph pour t'oublier Joseph. Il a une capacité Joseph. Mais non, ce n'était pas encore le temps de Dieu. Ce n'était pas encore le temps convenable. Donc nous devons toujours attendre, frères et sœurs, le temps convenable qui est le temps de Dieu. Genèse chapitre 40 verset 22. Mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Puis quand j'aime faire contact mon ouais qui blie, puis quand j'aime reprocher lui, puis quand j'aime parler le mal, parce que pour tout ça on fait pour lui, pour tout bien on fait, quand des mondes n'oublient, quand des mondes n'ont pas répondu à bien que le faire. Regardez ça, mon nan fait. Hein? Jamais d'elle pour le voyager, pour le river dans un pays étranger. Je ne vous dis là, premier monde qui blie, c'est lui-même. Alors, ingrat, les hommes ingrats. En pile dans nous, c'est ça que nous gagnons comme reproche. Et pourtant, travail bon Dieu qui a fait. Gagnez mon nous te font bien, bon Dieu, pavlé, ou joigne bien dans mes en retour. A ce petit bien, le bras levé pour a pas suffi. Bon Dieu vle, c'est un autre monde. C'est ça qui fait qu'il est question, frères et sœurs, de jeter votre pain à la surface des eaux. Et avec le temps, vous allez le retrouver. Jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, on va rejoindre. On va rejoindre. Avec le temps, on va rejoindre. On va saisir pour eux. On dit son simple farine, donc il passe net. Et pourtant, on va rejoindre. Bien on fait pas jambe perdu, bien on fait pas jambe perdu. Lè a pas qu'on arrive, jou a pas qu'on arrive, parce que tout le monde qui a servi bon Dieu, yo dans le temps de Dieu, yo dans le temps de Dieu. Bon temps bon Dieu fixé pour yo, bon jour l'Éternel fixé pour yo. Matin on peut décourager non, c'est temps pour là pour qu'on arrive, c'est jour pour là pour qu'on arrive. Jette ton pain à la surface des eaux. Pas jaloux, puis qu'on envie, mon ouais qui avance, qui allait, je parle à pour arriver, je parle à pour arriver, pas plein rien. Jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, on va joindre. Vous entendez? On va joindre. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1er. Jette ton pain sur la face des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. Abjoigne-ni, ou pas perdu.
Fais bien autant qu'on capable. Fais du bien à tous autant qu'on capable. Ou pas perdu ça. Non, pas perdu ça. Donc le chef des échansons avait oublié Joseph, frères et sœurs. Donc c'était dans le plan de Dieu. Oui, cet oubli était dans le plan de Dieu parce que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Mais lorsque le temps de Dieu, frères et sœurs, est arrivé, les chansons songeaient Joseph. Et bagay moun pa fait pour, c'est le ak pou ko rive. Gen moun ou pa jwenn sou to, gen moun ki pa pense avou, c'est jou ak pou ko rive. Et prend tout avec courage, avec patience. Prend tout avec courage, avec patience. Mais alors allez, frères et sœurs, dans Genèse chapitre 42, eh bien, on apprend que les lois arrivées, bon Dieu, fait travail. Est-ce qu'on comprend? Alors, dans Genèse chapitre 41, bon Dieu, pour le fait travail. Genèse chapitre 41, verset 1er. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches. Belle à voir et grasse de chair montèrent hors du fleuve. Donc, c'est le songe de Pharaon, frères et sœurs, qui prend l'occasion pour Joseph capable de rentrer eh bien, dans l'histoire de l'Égypte. Donc, bon Dieu, que nous servions, lorsque tout espoir semblait fini pour nous, eh bien, bon Dieu, l'heure pas l'arrivée, l'a fait prisonnier à vin gouverneur. L'a fait prisonnier à venir en position élevée. Ben oui, position élevée. Et ouais, ça, bon Dieu, maintenant, roi, c'est lui qui a fait route avec vous. Il même qui a fait route avec vous. Serviteur, bon Dieu, goye, crainte ou gain pour l'éternel, là. Sainteté ou gain, la caille, bon Dieu, lui qui a fait route avec vous. Lui qui a fait vous confier au ça, vous devez confier au là. Lui même qui a fait mon cœur pour, qui a fait mon pensée avec vous. Genèse chapitre 41 verset 9. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Donc, il pensait à Joseph. Bon Dieu fait échanson à songer Joseph. Donc c'est comme ça qu'on commence l'histoire. Il fait Pharaon connaît que il était en prison parce que il était font bagaille qui mal. Eh bien, il y avait là un jeune hébreu esclave du chef des gardes. Écoutez, quand j'en entre dans le pays, paraît-il pas qu'il y a venu pour vous, non? Quand j'en entre dans le pays, sans bout de papier ou illégal dans le pays, t'as semblé pas qu'il y a venu pour vous. Eh bien, dans le calendrier l'éternel là, il y a venu pour la caille, bon Dieu. Il y a venu pour la caille, bon Dieu. On seul bagay ou besoin fait, vous êtes servant de bon Dieu. Un pays côté hier côté personne monde pas connaît là côté gain liberté pour ta faire toute ça vle côté gain liberté sous vle placer ou placer pour faire ça vle prend monde go vle pas gain monde cap veyo d'ailleurs ou grand monde côté hier mais pas ça bon Dieu seulement qu'a font route pour bon Dieu qu'a font miracle pour en nous la prière matin. Joseph t'es gain patience pour t'étendre. Et le Joseph est arrivé dans position pour t'a fait frère lio vengeance pour tirer vengeance de mal que ou t'es fait li de préférence li dit dans Genèse chapitre 50 verset 20 vous aviez médité de me faire du mal mais Dieu l'a changé en bien. Gen mal on monde faire bon Dieu changer l'en bien pour bon Dieu changer l'en bien pour bon Dieu, changez-le en leçon de maturité pour pas plein. Mais, ouais, bien fait, bon Dieu, bah, occasion de maturité pour pas faire mon confiance encore pour plus prudent avec l'homme. C'est ça, bon Dieu, à pas Seigneur. Appelez lui dit, pour qui j'en quitte ça arrivé, Seigneur, maintenant, bon Dieu souverain, chacun de nous, en façon que nous apprenons les leçons de la vie. Et non, c'est par les expériences de la vie nous apprenons, comprendre la vie. Donc, bon Dieu, c'est pour nous faire du bien. Malgré ça fait nous souffrir, mais c'est pour notre bien. Et toujours, mon Dieu, pour laver cœur, penser, pour pas qu'il y ait monde sous cœur,
pour pas gen moun nan panse ou. Non, pas gen moun nan panse ou. Mais au contraire, l'occasion va arriver pour faire du bien à moun ki fò mal la. Eh bien, on va faire li. À nous la prière matin. Seigneur, notre Père, Dieu de toute la terre, Créateur de toutes choses, tu es le grand Elohim. D'âge en âge, d'éternité en éternité, tu es toujours le même. Pas gain ta cause sous toute terre, dans tout univers. C'est au même, le seul, l'unique. Yoreléo, Adonai, Ehad. Parce que au même seul, posséder la souveraineté, l'unique Seigneur, c'est toi. Ou dis-je agirai, qui s'y opposera? Personne moun pa ka opposé, leur pa agi, leur pa fait travail. Maintenant, nous venons bon côté dans la prière encore, jeudi, vendredi, 19 janvier 2024, ça, pour nous dire merci. Merci pour façon de prendre soin de nous pendant la semaine qui a terminé et nous allons rentrer dans le week-end. Merci pour protection, ben non. Merci pour protection, ben petit, non. Merci pour protection, ou ben proche, nous, yo, famille, nous, yo. Merci l'Éternel, notre Dieu, pour ses cueils. Ou craser pour yo. Dans un monde qui si méchant, dans un monde qui chargé avec danger, malheur, ben ti moun nou yo fè yo grâce. Y aller l'école, yo rentré en bien. Y aller dans l'université, yo rentré en bien. Nous sorti dans le travail, bon Dieu, nous rentré en bien. Chaque jour nous lever, ou prêter nous souffle la vie pour nous continuer vivre, continuer travail, continuer espérer. Merci en pile pour l'amour ça a ko gen pour nous. Merci en pile pour compassion ça a qu'on gagne pour nous. C'est ou même seulement qui t'a sauvé nous, qui t'a délivré nous. Maintenant, ou même grand créateur de toutes choses qui crée soleil avec la lune, étoile yo. Ou même grand créateur qui baille la vie sur toute fleur qui existait sur la terre. Ou même grand créateur qui toujours baille manger à toute chair. Il est gardé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur la planète Terre. Combien de gens qu'on bâille de l'eau pour y boire? Combien de gens qu'on nourrit chaque jour? Et nous sommes 8 milliards, l'Éternel notre Dieu, sur la planète Terre. Même les bébés, on nourrit, dans votre maman, on prend soin. Nous sommes Dieu qui est merveilleux. Les oiseaux du ciel, malgré Seigneur, yo pas semé, yo pas gen jardin, mais on prend soin yo. Oui, oiseaux dans bois. Et même vieux zèbre, bon Dieu prend soin yo. C'est le Dieu tout-puissant, le grand pourvoyeur qui nous fait la promesse de prendre soin de nous dans les temps difficiles. Et merci Seigneur parce que on pas jamais manqué parole, on toujours accompli promesse qu'on fait nous. Malgré des fois, cheminement yo, route passé yo, l'Éternel kon difficile, mais on pas jamais quitter nous mourir dans épreuve yo. Non, Seigneur, pas jamais quitter nous tout fait, malgré tout ça n'a pas rencontré yo. Merci pour le grand courage qu'on ban nous chaque jour pour nous vivre dans vie ça. Merci pour force bouclier qu'on fait pour nous, malgré temps difficile yo, les gros vagues yo a frappé nous, les mauvais lames yo a frappé nous. Mon Dieu, ou pas quitter nous tomber. Ou lever main, ou ban nous la vie, ou sauver nous, ou délivrer nous. Grand créateur de toutes choses, immortel, invisible, bon Dieu qui bat la vie, bon Dieu qui délivre, bon Dieu qui tend la main aux malheureux, qui sauve celui qui est en détresse, celui qui est dans la détresse, celui qui est malade, ou toujours voyez l'Éternel le secours pour lui. Parce qu'on est en danger. Seigneur, matin, mais nous chaque qui malade, qui a souffri longtemps, mais nous chaque bon Dieu qui a une maladie incurable, docteur pas rien pour nous, mais nous chaque matin qui a un cancer, bon Dieu, qui arrive dans une phase côté tout le monde découragé, parce que y aurait pas une solution possible, mais nous chaque qui couchons côté, qui paralysé, nous font stroke, bon Dieu, mais nous chaque l'Éternel après un accident. Nous perdu mobilité, nous pas qu'à marcher encore, nous pas qu'à faire ça, nous qu'on fait encore. Bon Dieu,
Maintenant, nous remettons nos mains et nous disons merci parce qu'on pas quitter nos mourir. Et mon bon Dieu, yo tout mouri, yo font arrêt cardiaque. Et mon bon Dieu, notre terrible accident ça, yo mouri, yo ne pas sauvé. De même, j'en ai regardé, Seigneur, comment yon famille perdu quatre monde bon Dieu dans seul jour. Un terrible accident. Bon Dieu, mérite gloire, oui, mérite l'honneur. Combien de fois nous sortir ou protéger nous? Combien de fois malheur a venu sous nous? Mais bon Dieu, ou pas nous la vie? Combien de fois, bon Dieu, ou tirer dans ma machine? Oh, l'éternel, notre Dieu, combien de fois machine nous craser, l'écraser, l'écraser? Mais bon Dieu, nos saints sont saufs. Nous pas perdu en main, nous pas perdu en pied. Cependant, il y a l'autre, bon Dieu, qui est paralysé, oui, pour toute la vie, yo. Mais nous-mêmes, on fait nos grâces. Oh, bon Dieu, qui est-ce que nous avons pour nous remercier, yo, parce que c'est vous qui prend soin, nous, c'est vous qui voyez les yeux sur nous. Chaque jour, nous sortons, nous rentrons, regardez l'âge, nous arrivons, mais nous sommes là toujours, puis nous sommes là toujours. Merci infiniment, Père. Maintenant, c'est vous-même qui méritez tout honneur, toute louange qui n'en cœur, nous. Merci. Pour façon conduire nous, pour façon prendre soin nous. Dans temps difficile yo, vous voyez manger pour nous. Dans temps difficile yo, vous voyez de l'eau pour nous. Dans temps difficile yo, vous pas délaisser nous, mais tu prends soin de nous, Seigneur. Nous remettons journée ça dans main. Mon Dieu, ou même qui bail la délivrance, ou même qui tend la main aux malheureux, ou même qui tend la main l'Éternel notre Dieu à ceux qui souffrent. À ceux qui sont dans la douleur. Gardez souffrance nos matins. Gardez douleur nos matins. Côté une couchée, à souffrir comme maladie. Côté bon Dieu, tout ça nous gagne, fin passer nos médicaments, nous pas jamais jouer une solution. Côté bon Dieu, à chaque fois nous réfléchis que nous allons mourir, ça nous tourmente l'esprit. Nous. Mais bon Dieu, j'avais dit Paul, l'élite ou la mort en face, il dit, mieux vaut que moi aller que mériter. Seigneur, n'aie pas de peur. La mort, il te dit, je ne fais de ma vie aucun cas. Et pour moi, la mort est un gain. Seigneur, pas quitter nos peurs, la mort, parce qu'avec vous, pas gué mourir. Non, c'est fermer mes yeux ici et l'ouvrir là-bas. Oui, les petits sommeils, la mort a passé grand. Mon Dieu, ces viteurs-là qui finissent vivants. Qui vieillit, les yeux va l'ouvrir, il va ouvrir de la félicité éternelle, de la gloire éternelle, au Dieu de toute la terre, créateur de toutes choses. C'est vous-même qui baille force, c'est vous-même qui délivre, c'est vous-même qui baille courage, détermination. Seul bagaille pour faire pour nous, bon Dieu, pas quitter de mourir dans le chagrin, pas quitter de mourir dans la tristesse. Fais nos grâces pour nous contents. Fais nous grâce pour yeux nous ouais, salut ou là, délivrance roi, pas quitter nous mourir dans la misère, dans la honte, non. Fais nous grâce, Seigneur, pour nous grandeur dans la vie, non. Pour nous grandeur dans la vie petite, non. Pour nous grandeur dans la vie petite, non. Pas quitter nous mourir avec une inquiétude, pas quitter nous mourir avec un regret, Seigneur. Mais fais nous grâce pour nous ouais, grandeur dans la vie petite, non, bon Dieu. Comment on peut restaurer, comment on baille en dernière chance. Combien, bon Dieu, oui, au miséricordieux, compatissant, combien l'Éternel, notre Dieu, a de l'amour pour nous. Fais ça pour la gloire de ton Seigneur. Nous remettons nos mains au Seigneur matin, nous connaissons le chemin, nous pourrons le passer. Nous connaissons route, nous pourrons le bras, nous pourrons le travail matin. Oui, nous avons nos capsules de travail, qu'on y a, bon Dieu, avec nous. Menez-nous, rentrez en bien. Béni année ça pour nous, année 2024 ça, bon Dieu. Fais de cette année une année de consolation pour nous. Une année, bon Dieu, pour nous et gloire qui a brillé sous la vie, non. Fais de cette année pour nous une année de réjouissance, une année de bonnes nouvelles, une année pour honte nous y tomber. Une année, bon Dieu, pour nous et gloire qui a brillé sous la vie, non. Une année pour lever nous à terre, une année, Seigneur, pour sécher de l'eau dans les yeux, non. Une année pour montrer grandeur dans la vie, non, dans la vie petite, non, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire dans notre cher Haïti. De remettre pays nous dans la main, bon Dieu. Que ta grâce soit sur nous
Accorde-nous ta grâce, l'Éternel, en ce temps difficile. Oui, Dieu d'amour, Dieu de grâce, déversez l'amour, la paix sous nous, bon Dieu, pour nous pas troubler. Car où t'es dit, nous, Seigneur, voici, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta bénédiction. Oui, que ta grâce soit sur notre pays. Que tout esprit préparé pour boisson. Que tout esprit, oh, qui mette division, qui divise pays. Oh, tout esprit qui mette trouble dans le pays. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, l'Église déclarée sans effet. L'Église déclarée ou impuissant. L'Église déclarée ou impuissant sans effet. Dans le nom puissant, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Nous lions au matin l'esprit caboissant, l'esprit chaos, l'esprit trouble. Au nom de Jésus-Christ, nous marions. Pas un pouvoir sur le pays d'Haïti. Pas un pouvoir sur la famille. Non. Pas un pouvoir sur la petite. Non. Pas un pouvoir sur sa bon Dieu. Ben non. Au nom de Jésus-Christ, pas un pouvoir sur le pays moi, pas un pouvoir sur le pays moi. Maro dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, dans quatre coins pays ya, maréo et ça l'église la maré sous terre et maré dans le ciel là, l'eau de la passer dans le ciel là. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Que ce soit le temps favorable, l'Éternel notre Dieu, de détruire ceux qui détruisent le pays. Que ce soit le temps favorable, l'Éternel notre Dieu, de détruire ceux qui détruisent le pays. Que ce soit le temps favorable, l'Éternel notre Dieu, de détruire ceux qui détruisent le pays. Vous connaissez dans le monde invisible satanique, vous connaissez détruisez tout esprit démoniaque, tout esprit baka, tout esprit caboissant, tout esprit gaillé, tout l'esprit de sorcellerie. Est arrivé pour détruire tout l'esprit qui m'est payé en captivité, tout l'esprit qui m'est payé dans la misère, dans la pauvreté. Que ce soit le temps favorable pour détruire par ton épée l'Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ, accomplis ta parole ce matin qui nous dit, si les méchants croissent, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéanti à jamais. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Amen.
bientôt.